Today's Animal World, our co-inhabitants, will be presented in French with subtitles in Arabic, Oraxis or Vietnamese, Chinese, English, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Bonjour à tous, bienveillants téléspectateurs dans le monde des animaux, nos cohabitants, pour notre série Arrêter la cruauté animale. Notre émission aujourd'hui va vous présenter la production cruelle des canards et des oies pour leur viande et pour leur foie. Les canards sont des êtres exceptionnellement sociables qui adorent passer du temps en groupe à interagir les uns avec les autres. Ils utilisent un grand nombre de vocalisations ainsi que le langage corporel pour communiquer entre eux. Les oies sont des animaux extrêmement fidèles qui gardent le même partenaire durant les 25 années de leur vie. Et s'il leur arrive de perdre leur conjoint, elles rentrent en deuil et restent seules jusqu'à la fin de leur vie. Les oies sont aussi des parents extrêmement dévoués. Si un de leurs petits est malade et ne peut pas s'envoler vers le sud pour l'hiver, ses parents, d'une dévotion incroyable, resteront à ses côtés pendant tout l'hiver, au risque même de mourir de froid. Les intelligentes oies ont un vol très caractéristique en forme de V, ce qui leur permet de réduire la résistance au vent et ainsi de pouvoir voler 70% plus longtemps qu'une oie toute seule. Et dans cet esprit de fraternité, elles se relayent à la tête de la formation, chacun leur tour. Cependant, la vie de ces oies dans les fermes industrielles ou dans les centres de production de foie gras sont bien éloignées de leur vie dans la nature. Elles n'ont jamais la chance de nager ni même de voir l'eau. Elles n'ont jamais la possibilité de s'envoler dans les airs, de fouler l'herbe verte, ni même de respirer l'air frais. Au lieu de cela, elles sont emprisonnées et soumises au pire des traitements que l'on puisse imaginer. D'abord, pour produire des petits, le mâle appelé mâlard est sorti de sa cage et on lui prend son sperme de force. Cela entraîne un stress énorme chez l'animal. La femelle est ensuite artificiellement inséminée. Cette procédure douloureuse est répétée 3 fois par semaine en utilisant un tube en métal froid qui est enfoncé brutalement dans l'utérus de l'oiseau. Après 66 semaines où elle n'aura été finalement qu'une machine à reproduction, la femelle oie est tuée. Au cours de sa vie courte et terrible, la mère aura pondu à peu près 270 œufs, contrairement à la trentaine d'œufs qu'elle pondrait normalement à l'état sauvage. Un tel niveau anormal de production d'œufs est source de multiples problèmes de santé. Elle souffre de péritonite.